Cher futur moi, Léonie, je ne sais pas si tu verras cette vidéo un jour, mais moi actuellement, j'ai 15 ans, on est le 21 mars 2024, et je suis super heureuse en ce moment, en tout cas. J'espère que tu l'es aussi, parce que c'est le plus important dans notre futur, c'est ce qui me touche le plus, que tu sois heureuse. Que tu t'aimes. J'espère que tu joues encore au foot. Franchement, ça me tient à cœur. Et que si t'as eu un problème, que tu peux plus faire de foot, que tu fasses au moins un sport. Parce que le sport, c'est toute ma vie. C'est toute notre vie, normalement. J'espère que tu regrettes plus ce qui s'est passé il y a longtemps. Sachant que c'est pas ta faute, genre... quand on était petite, on a eu l'opportunité de jouer au stade de Reims parce qu'on nous l'avait proposé. Et à cause du travail de mes parents et des horaires et tout, on a dit non. Et je veux pas que tu t'en veuilles ou que tu en veuilles à tes parents parce que t'as pas pu aller au stade de Reims. Et que t'aurais pu finir grande footballeuse. Ouh. Mais que si tu veux vraiment y aller, genre moi en ce moment, mais faut un level vraiment plus haut maintenant. Donc si tu veux vraiment y aller, entraîne-toi, bosse et fonce. Ça coûte rien de tenter. Ça coûte rien. T'es pas la meilleure, mais t'es vraiment pas la pire. Donc continue. Continue cette passion qui te fait du bien d'aller aux entraînements, d'aller aux matchs toutes les semaines. Parce que ça te vide l'esprit. Tu vois des gens que t'aimes. C'est le meilleur moment de ma semaine. J'espère un autre truc, c'est que tu retombes pas dans la nourriture. C'est quelque chose dont je me suis battue pendant assez longtemps. En sixième, j'étais vraiment ronde. J'avais pas de remarques, ou peut-être de loin, mais je m'en fichais en fait. Mais c'est moi, je me sentais pas bien dans ma peau. Je m'étais tout le temps... des habits très larges. En fait, c'était vraiment je mangeais quand je m'ennuyais. Mais non. Non, tu manges quand t'as faim. J'ai pas envie de que tu termines trop maigre non plus. Ça me ferait mal que à cause de mon truc psychologique là, tu termines comme ça. À cause de moi. Il y a une chose que je veux absolument que tu réalises. C'est les droits qu'on a. On a réussi à avoir le droit à l'IVG dans la Constitution en France. C'est déjà un énorme pas. C'est incroyable. Aide toutes les femmes qui ont besoin. Mais pas que les femmes. Hein. Toutes les personnes qui sont pas bien, faut que tu les aides. Là, à l'école, imaginons, y a de l'harcèlement. Tu vas aider la personne harcelée, mais tu laisses pas faire. Bats-toi. Je veux que tu deviennes une femme forte, courageuse, qui n'a pas peur et qui sait se débrouiller, quoi. Toutes les personnes qui sifflent les gens dans la rue, faut pas que tu te laisses faire. Faut pas que tu baisses la tête. Faut que tu sois forte, faut que tu sois courageuse, mais tu baisses pas la tête. Faut que tu sois fière, tu lèves la tête. Tu passes comme si c'était toi la reine. Du coup, j'espère que tu seras une femme forte, incroyable, qui va se battre pour ses droits, qui n'abandonne pas. Donc, je te remercie, cher futur moi. Je te dis à bientôt. Bisous. J'agis, sans vraiment songer aux conséquences, puis... C'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui. Mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur je te l'avoue, parfois tu prends la tête. Souvent tu fais rêver, je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.